Après avoir mis à l'honneur Agnès Varda pour l'affiche de son édition 2019, le Festival de Cannes a choisi d'honorer l'Américain Spike Lee, président du jury de la 74e édition. Ont annoncé jeudi les organisateurs, louant un regard curieux, personnel, tendre et malicieux, le festival a choisi de mettre en lumière le réalisateur sous les traits du personnage qu'il avait joué dans son premier long métrage Nola Darling, n'en fait qu'à sa tête, sorti en 1986. Sur l'affiche, Spike Lee, alias Morse Blackmon, un des trois amants de Nola Darling, est entouré de deux palmiers faisant écho à la ville de Cannes et sa fameuse croisette à pied de nez des organisateurs, le festival ayant été tourné dans sa ville New York. Les souvenirs Made in Egypt en quête d'un nouveau souffle, pyramide, masque de Toutankhamon, buste de Nefertiti, l'artisanat des souvenirs d'Égypte malmenés par la raréfaction des touristes pendant la pandémie de coronavirus cherche un nouveau souffle en attendant des jours meilleurs. Dans le quartier des pyramides à Gizeh, ouest du Caire, le site phare du tourisme égyptien continue d'attirer quelques visiteurs, même si des centaines de petits artisans ont perdu de revenus. Depuis le début de la pandémie, la plupart sont rattachés à l'économie informelle et ne reçoivent pas d'aide de l'État. Rappelons ici que le secteur du tourisme en Égypte, qui représentait environ 12% du PIB en 2019, a été terrassé par la pandémie. L'artiste musicienne camerounaise Vanisha a été mon invitée pour nous proposer son single « Go High ». Suivons cet extrait. Ok, je vous disais que nous allons recevoir l'artiste Vanisha avec nous ici à Washington. Vanisha, comment ça va? Ça va bien, merci, et vous? Ça va très bien, merci. Je sais que votre français n'est pas tellement comme votre anglais, mais comment vous vous sentez? Je me sens très bien aujourd'hui. Oui. Et je suis très contente d'être ici avec vous. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors Vanisha, si on vous a invité, c'est parce que vous faites de la bonne musique. Mm. Depuis quand vous avez commencé à faire la musique? Ça fait deux ou trois ans maintenant, mais je chante, ça fait longtemps que je chante. Ça fait longtemps que je chante. Mm. Alors parlons un peu de Go High, parce que c'est la chanson qu'on écoute là, Go High, ouais. La chanson déjà qui cartonne déjà, une très très belle chanson. De quoi vous parlez dans Go High en général? Ok, je parle de cette fille qui aime ce garçon et elle aimerait... fait tout pour être avec lui et you know, s'amuser avec lui et voir si c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas bien. Elle veut seulement s'amuser. Ouais, elle veut juste s'amuser. Mm-hmm. Et go high qui veut dire vas-y loin, vas-y, pousse plus loin, plus loin. Oui, elle veut s'amuser plus loin. Oui. Vous pouvez suivre l'intégralité de notre entretien dans RM Show sur www.voafrique.com. Et voilà, chers téléspectateurs, on s'est dit à la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique de Culture Hebdo. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches, comme d'habitude, en compagnie de VO Afrique.